Bonjour à tous, nous sommes dans les Alpes pour cette rando et du côté de Lubaye. Allez en route pour le pic de Morgon. C'est là, ah oui, il y a un péage, on paye. Hein. Mais oui, on paye. Ou non contrôlé, mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Là, je te remplis. Le clos de... je sais plus quoi. Ça, c'est la source. Ah ben voilà, le grand clos, c'est... 2 km de y mettre, tu vois. Ah oui. Donc nous, on vient de là. Du parking du Grand Clos. On a laissé la voiture là. On est monté par une piste. Là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Le chemin est joli. Parce que pendant 2 km, c'était de la piste. Et de la piste avec beaucoup de monde. Bon, il faut dire qu'on est parti un peu tard. Là, on a rempli les gourdes et on se dirige vers le pic de Morgon. Voilà. Mais au-dessus du lac de Serpenson, dans la vallée de Lubaye. Je pense que là on arrive le cirque de Morgon, tout ça là. Ah, et une bergerie. Ça, le cirque. Tout ça. Tout ça. Tout ça là, jusque là. Ça, le berger est bien là, par contre. C'est bon. Hein. Il y a un air frais. Hein. Ah. Marmotte. Il faut l'en sortir le. J'ai oublié le trépied. Tiens, regarde. Thank you.
sais plus. Non, là c'est beau par contre. Là c'est beau par contre. Surtout quand il n'y a personne, c'est encore plus beau. Au printemps, oui. Comme elle disait la dame là. Il y a toutes les fleurs et tout. Ah oui, et des grottes. Hein? Il y a des grottes. Où c'est que tu vois des grottes? Là-bas. Ah, des cavernes, ouais. Ah ben ouais. Ben, retour, on va voir hein, si tu veux. S'il y a un trou, on va dedans. Hein. Ouais, sûrement. Chemin des marmottes. Donc, 2 km. On suit les traces de Bernard B. Eh oui. Chemin des marmottes. Voilà, voilà les chemins de l'été. Fin août, hein, il faut pas s'étonner quand même. Et avec des sacs à sandwich. Sac à dos, sac à sandwich. Pèse en tout 3 grammes. Allez, arrête. T'as fini. Arrête un peu, hein, de... de critiquer les gens. Ouais. T'as compris maintenant pourquoi ils font payer? Non. Ben au nombre de personnes. Hein? Au nombre de personnes. Ah oui? C'est rentable. Ah bah oui, bah ils font leur beurre, hein. Attends, c'est fait pour ça. Hein. Putain, 1000 personnes à la minute. Le grand clos. Ah ouais, il y a plusieurs. Oh pétard, t'as vu comme il y a de chemins qui montent au pic? Il y a plusieurs départs. Hein. Ah ouais, il y a des sentiers noirs, il y a des sentiers rouges, oui. Verts et bleus. Oui. Ah ouais. Et nous, on a pris lequel? On a dû prendre le noir. Et ben on a pris le noir. Non, peut-être pas. Parce que le noir, il va plus haut, il monte plus haut. Ah c'est oui. C'est là-dedans, là-dessus. Ouais, c'est là. Oh, il y a même un petit nuage de lait là-bas. Je vois. Où ça? Dans le sachet. Oui, il y a du lait. Parce que j'avais tout mis dans le noir. Voilà le lac. Petite halte café, ça fait du bien. Puis on a laissé passer les vagues. Les vagues de gens. Thank you.
très beau. C'est très beau. On voit le canal de Provence au bout du lac là-bas. On est venu se perdre dans un petit trou. Parce que tu peux même pas pisser ici, il y a des yeux partout. C'est affreux. Mort. Ne me fais. Oui. Quoi? Rien. Et bien voilà un petit coin pour faire pipi. Oh là là.
de vue, je crois que c'est le plus beau de nos randos. C'est le plus beau. Par contre, le chemin, il est accessible. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune difficulté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des centaines de personnes. Ça vaut le coup d'œil. Voilà. Ça vaut le coup d'œil parce que c'est magnifique. Après, nous, on ne fait pas de rando pour se trouver avec autant de monde. À mettre le masque pour se croiser tout à l'heure, non, non. Non, ça. Sinon, c'est sûr que il faut le faire. Pic de Morgon à faire. Peut-être dans 15 jours, ça ira mieux, il y aura beaucoup moins de monde. Mais là, fin août, c'est de la folie. De la folie pure. Voilà. Tu veux le faire rouler sur les gens? Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, oh, encore, encore. C'est dur. Encore. J'arrive pas. Encore, il va descendre. Ah, j'abandonne. Il descend, et descend, il arrive en bas dans le lac, il fait un tsunami. Ah ouais. Et elles sont un peu fanées. Eh ouais, elles sont un peu finies là. Les Edelweiss. C'est un peu fini là. Eh ouais. Et il y en a d'autres là. Non. Là-bas aussi, regarde. Ah ouais, je les vois. Morgon là-haut. Et il y a un planeur. Ça sort. Et alors? Alors, Titi? Vas-y, avance-toi comme ça on prend. Tu cries pas? Hop là, dans l'autre trou. Thank you.
partir pour aller chercher la marmotte glace. Et hop là. La pauvre. La pauvre. Bouge pas, bouge pas. Ah ouais. Il y a vraiment plus rien. Et oui, c'est pas la saison. Hein. C'est le mois de septembre. Hein, eh ouais. Il y a une mare, il reste. Pour les grenouilles. Ah oui, il est 5h. C'est un 5h passé. Il est beau ce kiosque là. Ouais, il est pas mal, hein. Vous y allez, non? Ah non, non, il y a des jambes. Voilà, on a fait la boucle. Oui, on a fait la boucle. 2 km, 45 minutes. Ah, ça va. Voilà, là on vient de là. Col de la Besse, tout ça, lac de Morgon, enfin le lac à sec. Et ce matin on est passé là. On a fait la boucle. Voilà. Maintenant on va passer par la forêt de Boscodon. La gambetta. Mmh. Oh putain. Oh, il y a un banc. Oui, ben, il est bien. J'ai déjà assis ce matin. Non, je me suis pas assis ce matin là. Ouais. J'ai posé mon sac pour mettre le tricot dedans. Non, moi je me suis assis. De Boscodon. Like a way.